Good evening, 47. Your target is Dame Barbara Elizabeth Keating, a New Zealand tycoon and the former Minister of Trade and Foreign Affairs. She was forced to resign from her position when a charity she represented was accused of funneling donations towards the Dame's own offshore portfolio. Dame Barbara drew on contacts in the tabloids to shift the blame onto the charity's director, Jacqueline Vicker, destroying her reputation and ensuring that Vicker's death shortly thereafter was perceived as a suicide. Dame Barbara is now embarking on a PR tour to restore her standing, and we believe she's working with a body double in order to protect herself at public events. Needless to say, the contract only applies to the real Dame Barbara. Good luck, 47. La musique est beaucoup trop forte par rapport à la voix de Diana, quoi. C'est ouf, hein. Ces problèmes de mixage qu'on retrouve, mais dans tous les jeux, c'est toujours comme ça. Pourtant, il y a des mecs qui sont payés pour ça, qui sont le mixage audio, c'est leur métier, et dans tous les jeux, c'est mal branlé. Dans tous les jeux, il y a un problème à ce niveau-là. C'est quand même ouf, quoi. Je ne connais pas de jeu où il n'y a pas ce problème. En tout cas, aujourd'hui. Dans le passé, je sais pas si on avait déjà ce genre de soucis. Mais de nos jours, c'est récurrent. Bref, bonjour à tous, c'est MatsolidSnake44. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour une vidéo sur la cible fugitive du moment de la saison 2 de Hitman, la politicienne. Donc il va falloir qu'on tue une dame avec son collier de perles et sa robe rose bonbon. Ou mûre, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Et la petite difficulté de ce niveau, c'est qu'elle a un sosie. Voilà, et quand je dis un sosie, c'est même pas essayer de les différencier de visu, parce que vous voyez que c'est, en fait, c'est des clones. Le petit challenge de cette cible fugitive, c'est de trouver quelle est la bonne cible. Bon, vous allez voir que c'est pas hyper compliqué. Et de pas se planter, quoi. Cible qui se déroule donc dans le niveau de Hawke's Bay, en Nouvelle-Zélande. Je suis assez surpris parce que je pensais qu'il n'allait pas du tout utiliser ce niveau, vu sa petite taille pour les événements de ce genre. Et si finalement ils le font, donc je trouve ça pas mal. Donc j'ai déjà, ça n'a pas bougé, non, j'ai déjà choisi mon équipement de base. Donc on va y aller en combinaison tactique avec le 5 mm personnalisé, un crochet, une pièce, enfin 3 pièces. On commence à la cabane parce que je crois que sur ce niveau-là, il n'y a pas le choix. Et on va éventuellement emmener un taser avec nous, mais on le prendra ou pas au passage, ça dépendra de comment ça va se passer. Je vous explique comment va se dérouler cette vidéo. En fait, J'ai déjà fait plusieurs runs de, comment dire, en éclaireur sur cette cible fugitive, et j'ai l'intention de vous présenter, comme pour la vidéo que je vous avais fait sur la cible fugitive Mark Faba, Sean Bean, là, c'était il y a plusieurs mois, c'était en décembre, non? En décembre, je sais plus. Ou en novembre, pour la sortie de la saison 2, enfin bref. Je vais la jouer roleplay, on va faire comme si on ne connaissait pas, en fait, comme si on ne connaissait pas la mission. Oui, oui. Et comme s'il fallait qu'on cherche les indices pour déterminer, pour déterminer quelle est la cible. Et voilà, donc... je vais essayer de faire comme j'ai fait hier soir, sachant qu'en réalité, ça se passe rarement comme on veut. J'ai remarqué que dans Hitman, il y avait souvent des petites variantes d'IA qui étaient assez...
assez casse-couille en fait. Il y a des fois, c'est totalement incompréhensible, voire même extrêmement rageant. Vous avez beau vous y prendre de la même manière, vous, ne pas être en retard ni rien. Il y a comment dire, l'IA ne réagit pas totalement différemment. Elle est en avance ou elle est en retard. Et c'est vraiment bizarre, quoi. Il y a des fois, je comprends pas. Pourquoi les personnages n'arrivent pas exactement au même moment, au même endroit, ça fout tout votre plan en l'air et c'est assez. C'est rageant, c'est chiant, quoi. Ça devrait tout le temps se passer de la même manière. C'est ça qui est assez incroyable, puisque c'est scripté en partie. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour rentrer. Eux, ils peuvent nous apercevoir, mais franchement, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, les trucs qui m'arrivent jamais au bout de 20 fois et qui arrivent la 21e, ça s'est déjà vu. On va quand même rester sur nos gardes, hein. Voilà, donc les deux cibles sont ici, elles sont toutes les deux accompagnées d'un garde du corps. Nous, on va pas rentrer par là, on va faire comme à l'entraînement. C'est pas forcément le niveau le plus waouh et la carte la plus intéressante, hein, Hawke's Bay. C'est la première vidéo que je vous fais dessus, je crois. Mais franchement, c'est un niveau que je trouve quand même sympa, en tout cas pour une intro. Il n'est pas trop mal pour une mission d'entraînement. Le seul problème, c'est que en fait, dans le jeu, il compte pas comme une mission d'entraînement, quoi. Il compte comme la première mission du jeu et comme la première destination du jeu. C'est ça qui est un peu dérangeant. Mais j'adore l'ambiance. Alors, il y va, d'accord. Donc on récupère pas le taser. On attend. On en profite pour se glisser. Voilà. De toute façon, j'avais le crochet pour ouvrir la porte au cas où, hein. Mais le garde qui vient de rentrer, il faut savoir qu'il a une clé sur lui de la porte au cas où, donc vous n'êtes pas obligé d'emmener le crochet. Vous avez une clé aussi qui se trouve dans le petit pot près de la piscine qui ouvre la porte qui est juste à côté. Ça, c'est un secret que j'ai mis du temps à trouver parce que c'est bien planqué, vous pouvez pas interagir avec et la seule manière de la récupérer c'est de tirer dedans quoi. C'est quand même assez ouf. Ce secret. Alors là, ouais, nous on aura besoin. Pas pour l'instant. Voilà, nous voilà à l'intérieur. Bon, je vois qu'au niveau du timing ça va à peu près. Donc il faut se méfier parce qu'on n'est pas déguisé. Là-bas il y a un garde dans le fond. Il y a le garde du corps de l'une des deux filles. Alors on sait pas si quelle est la doublure et quelle est la vraie. Enfin moi je sais si, mais pour l'instant il n'y a pas moyen de le deviner tout de suite. Voilà, on sait qu'elle mange, donc on peut l'empoisonner. On va pas faire ça. Donc la deuxième, elle est à l'étage. On va repartir. Merde, putain, ça m'agace quand il fait ça. On va monter par là. Ça c'est fait. Parce qu'on est un chouïa en retard. Voilà, bon, je m'aide pas mal de l'instinct, hein, parce que sans ça, en fait, si vous vous aidez jamais de l'instinct, vous échouez un nombre incalculable de fois en tombant au hasard sur les PNJ et ça finit par devenir chiant en fait.
Ok, donc on va commencer par s'occuper de désactiver les caméras. On est déjà venu ici assassiner des gens, donc on connaît les lieux et les petits secrets de la maison. Donc là, on a un mec qui pionce. Voilà. On va le réveiller habilement. Voilà. Même si je crois que ça attire pas l'attention, je préfère refermer la porte. Ils sont pas encore revenus. Alors, bon. Pour le final, on sait jamais en cas de chasse. Enfin, je vais prendre 2-3 trucs. Et puis tiens, pourquoi pas un shuriken. Ça pourrait servir. Si jamais ça partait en couille. Voilà, ça c'est fait. Donc, ils sont revenus. Elles montent et elles descendent régulièrement toutes les deux, avec leur garde du corps. Et en fait, elles sont chacune en train de répéter un discours. L'une sur son ordinateur, l'autre au rez-de-chaussée en bas sur des papiers qui sont sur la table. Voilà, donc elle va faire une pause cigarette. On va ressortir. Voilà, donc on attend un petit peu, ne pas se précipiter, ce serait con de faire une erreur. Donc vous pouvez interagir avec l'ordinateur, sauf que là, il y a un garde. En fait, donc... Le garde va nous faire chier. Je pense qu'il nous voit. Donc lui, normalement, il dort et il dort bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Oui. Donc, on va s'occuper de lui. Normalement, on devrait pouvoir le choper à travers la fenêtre. Hein. Sauf que, bah non. Ça ne marche pas, c'est débile. Donc je vais le faire venir, c'est pas grave. Voilà. Putain de jouet qui queen en forme de kiwi là. L'oiseau, je veux dire, de Nouvelle-Zélande. Là, je me suis fait repérer la première fois que j'ai fait la mission à cause de ce truc en marchant dessus sans faire exprès. C'était justement l'intention. C'est des comics, ces bâtards de développeurs. Alors, on va attendre tranquillement qu'ils reviennent. Central, nothing to worry about. We're fine. Out. Je sais pas s'ils peuvent nous voir à travers la vitre. C'est pas impossible. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous en bas. Je fonce à l'ordinateur. Looks like there are quite a few editing notes in this document 47. Alors, discours inachevé, on a un renseignement. Un discours inachevé trouvé sur un ordinateur portable dans le bureau de Dame Barbara. Donc Dame Barbara, c'est la cible. L'ordinateur semble lui appartenir. Donc, vous savez que la cible qui vient répéter son discours ici, du coup, enfin, l'une des deux femmes, je veux dire, c'est la cible. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, par déduction, et si on fait l'expérience, quand on va en bas lire le petit discours qui est sur la table, on apprend que le discours qui est en bas, c'est celui de la doublure. Donc, maintenant, vous savez que la fille qui vient ici, voilà, c'est celle qu'il faut tuer. Il me reste juste à me rappeler comment je veux faire. oui, je crois que je sais. Alors, pour l'instant,
I think you found your target. Pour l'instant, on va se mettre à l'abri ici. Encore une fois. Voilà, c'est pas celle-là qui arrive, c'est celle qui est après. Donc, vous pouvez la tuer de plein de manières différentes. Le seul problème, c'est son garde du corps. Bon, comme je sais qu'il y a au moins une ou deux méthodes par accident, il y en a sûrement même plus, hein, mais je veux dire, il y en a une qui vous est mise à votre portée. On va utiliser celle-ci. Mais il faut... Je veux vous la montrer de visu. Voilà, je veux pas le faire consciemment. Donc voilà, elle répète sa petite routine. Évidemment, je pourrais vous faire ce let's play en totale connaissance de cause et aller directement à l'objectif, mais j'avais pas envie de vous faire ça comme ça. Voilà, donc elle retourne faire sa pause cigarette. Bon. C'est un peu chiant d'abuser de l'instinct comme ça, mais en même temps, si dans les jeux il y avait une meilleure spatialisation du son, on saurait où vont les gens, dans quelle direction ils vont. Et ça, c'est un gros problème qu'il y a dans tous les jeux, c'est impossible à deviner en fait. Donc voilà, elle vient ici, et elle va se griller une clope là-bas près de la lampe à gaz. Donc, moi ce que j'ai prévu, c'est de la faire sauter. Alors attendez que je regarde la carte un instant. Oui, je sais où est la clé anglaise. Bon, j'aurais pas dû refermer, ça fait chier, faut qu'on le fasse à chaque fois. Voilà. Non. On va mettre la tenue pour la fin. Ce sera préférable. À partir de maintenant. Voilà, le passage secret qui nous ramène dans le garage comme prévu. Donc, faut se méfier du point blanc là. Mais vous voyez qu'il a une clé anglaise à côté de lui. Alors, je pourrais peut-être la récupérer. Mais comme je risque quand même de me faire repérer, on va s'occuper de lui. C'est pas sûr, hein. Mais bon, je préfère pas tenter le diable. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Lui, il s'est rendormi. De toute façon, il n'a pas de point dedans, je crois. Voilà, j'ai la clé. Maintenant, on n'a plus qu'à retourner et saboter la lampe. Alors, je crois qu'on peut débloquer une clé anglaise dans son pactage. Et du coup, une clé anglaise jaune. Mais je sais pas comment on fait, en fait. C'est toi qui m'avais parlé de ça, Genesis. Et je l'avais vu aussi dans les infos de IO Interactive sur le site Hitman qui nous annonce qu'il va y avoir tous les mois en nouveauté. Mais je sais plus, j'ai pas trouvé comment on récupérait cette clé déjà. Et j'ai pas trouvé l'endroit qui nous montrait aussi comment on la récupérait. Il faudrait que je cherche ça, que je re-regarde. Parce que ça peut être vachement avantageux de commencer avec une clé anglaise dans son inventaire, quoi. Donc là, le gaz est ouvert. On n'a plus qu'à attendre que la cible vienne. Alors, normalement, le garde du corps, il va pas rester à côté. Je pense pas que l'explosion devrait le tuer. Donc on a juste à se barrer, en fait. Alors, par où on va sortir? Ça, c'est la bonne question. Parce qu'on n'a pas... Je sais pas, on n'est pas venu en bateau. Donc je sais pas par où on sort, en fait. Je me suis arrêté ici pour mon expérimentation, pour mon tour de reconnaissance. Je pouvais pas, si je voulais vous faire la vidéo, aller jusqu'à tuer la cible.
Donc maintenant, on va devoir improviser, sachant que l'explosion va créer va créer du bruit, quoi. Bon, on va pas rester dans le coin. Quoique. Attendez. Est-ce qu'elle me verrait d'en haut là? Dans les herbes? Ça aurait une certaine logique, mais bon, c'est pas sûr. Ah merde, elle descend, elle y va pas tout de suite. Ah d'accord. Elle y va pas. Bon, on va être obligé d'attendre. Si, je crois savoir comment on peut se dégager une sortie. Merde. Ah oui, j'ai pas d'ici, j'ai. Bon, on va le faire dans son dos. Je sais, j'ai trouvé une clé de voiture pendant mes runs. Alors, faut se méfier parce qu'ils ont tous des points blancs, même celui qui est au fond. Donc, ils risquent tous de nous gauler. Les clés de voiture sont dans l'assiette qui se trouve ici. Voilà, on est assez loin, ça va. Voilà, par contre, alors attendez, est-ce que ça nous l'affiche sur la carte? Il doit y avoir un 4x4, à mon avis, c'est les 4x4 qui sont sur la petite route près du garage. Pas obligé de se planquer. Voilà, là elle va aller faire sa pause cigarette. Là-bas il y a une patrouille. Alors j'espère que ça va marcher. Là elle téléphone. Peut-être falloir attendre. Putain, elle me dit pas qu'elle va pas fumer. Sans déconner. Oui, c'est bon, c'est bon. Target eliminated. Well done, 47. The client is transferring a very charitable donation as we speak. Now, time to make your exit. Hey, get ready. Command, yeah, I'm here now. Corps trouvé. It's all clear. Attendez, merde! On va pas faire le Silent Assassin, dis donc. C'est qui le corps trouvé? Attendez, attendez. Corps trouvé. Qui est-ce que j'ai laissé Ah merde, c'est le gars qui est dans la chambre forte. Vous êtes sérieux? Ils ont trouvé le corps. Mais pourquoi ils vont dans la chambre forte? Ils ont aucune raison de passer par là? Ah bah oui, c'est le seul qu'on n'a pas caché. Bon bah j'aurais pas le Silent Assassin. Merde. Ah c'est con. Mais de toute façon. Et puis en plus, je crois que. Oui, non, c'est pas de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de. Ils ont dit sur le site de IO Interactive d'Hitman qu'il n'y avait pas de récompense de costume pour ce niveau-là, mais qu'ils allaient réfléchir à en créer un. Donc je vais même pas obtenir de récompense pour le niveau. Et je vais pas non plus obtenir de récompense pour les Silent Assassins en cible fugitive. Ah, quoique. Attendez, il n'y a pas besoin de Silent Assassin. Là, ça va être ma troisième. Parce que j'en ai fait que trois. Et là, je vois que celle-ci comptait. Donc, on devrait débloquer le costume Absolution déjà. Non, il n'y a pas besoin de Silent Assassin. Ah, si, c'est pour certains costumes. Si, pour certains costumes, il le faut quand même.
Ok, un moment où il faudra que je me décide à faire des Silent Assassins quand même. D'accord. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de récompense, par exemple. C'est bizarre qu'ils aient pas pensé à en créer un pour ce niveau, quoi. De costume spécial. Parce que normalement, il y a un costume spécial à débloquer pour chaque niveau. Une variante du costume d'origine. Et là, il n'y en a pas. Ils auraient dû le faire. Mais ils ont dit qu'ils allaient, plancher dessus. Bon. Lui, il nous a plus ou moins vus. C'est bon, on n'est pas... ils sont en état d'alerte, mais... bon, bah du coup, de toute façon... on peut se prendre d'un petit délire pour le final, vu que... de toute façon, on n'aura pas le Silent Assassin. Non, ils sont trop loin. Allez, hop. Ah, ça s'est joué à un cheveu, quoi. Merde, j'ai laissé traîner un corps, ils l'ont trouvé, ces cons-là. Et ça, c'est uniquement parce que les personnages, quand il y a du grabuge, se mettent à courir partout et dans toutes les pièces pour chercher ce qui va pas. Et si vous avez le malheur de laisser le moindre truc traîner, et ben vous l'avez dans le cul. Voilà. Ah, ça s'est joué à... ça s'est joué à rien, hein. On l'avait, le Silent Assassin. On l'avait. Mais bon. Donc, bah oui, il n'y a que ça, corps trouvé. Sinon, c'était bon. Sinon, c'était bon et j'ai réglé ça assez rapidement, alors qu'avant de trouver ma méthode, ça m'a pris un certain temps, quand même. Bref. Oui, non mais ça d'accord, mais non, on a tout trouvé. Ah, attendez, par contre, on n'a peut-être pas vu le costume en récompense. Normalement, c'est ma troisième cible. Ils doivent me donner un nouveau costume. On n'a pas vu le costume d'absolution. J'ai peut-être passé la récompense. On va aller voir dans carrière, dans l'inventaire. Les costumes. Costume emblématique. Ah oui, c'est bon, je l'ai débloqué. Le costume absolution avec ses gants. Je l'aime bien celui-là, il est plutôt classe. Parce que avec la petite barrette sur la cravate, parce que celui qu'on a de base, il a pas les gants. Il n'y a pas la petite barrette sur la cravate. Et bon, il m'en reste à débloquer, hein, parce que j'ai zappé plusieurs cibles fugitives. Qu'est-ce que j'avais fait déjà? On avait fait Sean Bean, ça je m'en rappelle, oui. On avait fait Sean Bean, le revenant. Le révolutionnaire, on l'avait fait. Bon, pour les deux, ça avait qu'à fouiller. J'avais pas eu le Silent Assassin. Je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo sur le revenant. À la fin, c'était parti en vrille. Le révolutionnaire, ça s'est passé plutôt proprement et c'était très facile. Je vous ai pas fait de vidéo parce que je l'ai pas trouvé très intéressant. Mais à un moment où je me suis fait choper, mais j'ai éliminé le garde sans coup faire rire. Elle, je l'ai zappé parce que je suis pas rendu encore au niveau de l'île de Sgyle. Lui, j'aurais pu le faire. Ça, c'était une cible de la saison 1. Ils vont nous remettre des cibles de la saison 1. Mais j'étais sur un autre jeu à ce moment-là, je l'ai zappé. Et on a eu la politicienne. Très bien. Bon, bah écoutez... Alors on va s'arrêter là et je vais vous reprendre moi juste après pour vous faire ma vidéo sur mon contrat comment dire offrant nos esprits à Santa Fortuna que j'ai pondu il y a un petit moment donc on va se faire ça maintenant.